Bonjour tout le monde! Donc, j'ai enfin reçu ma grosse commande de Colourpop. Donc, je vous fais un unboxing. C'est la grosse collection vilain. Je voulais vraiment faire comme un cadeau, un set de maquillage complet. Il y avait plusieurs choses qui sortaient en même temps. En fait, j'ai comme hésité entre la collection vilain de Colourpop ou la collection d'Urban Decay Game of Thrones. J'attendais vraiment avec impatience Game of Thrones. Je veux dire, Urban Decay, on s'entend, ils nous ont envoyé des super... Toutes les pubs étaient magnifiques. Finalement, je me suis retrouvée... j'étais vraiment méga déçue de ce qu'ils ont sorti. Je trouvais que c'était pas original. Je trouvais que c'était vide. Des choses qu'on avait déjà vues. Tandis que... Puis pour le même prix, Colourpop offrait plusieurs choses différentes. Et des couleurs intéressantes quand même que j'ai pas beaucoup. Ah, oh, don't worry, be happy. Ils m'ont envoyé un petit truc comme ça. Ah. Don't worry, be happy. Joyeuse Pâques, c'est trop cute. Bon, Colourpop en rose. Ok, tout est entouré de bubble wrap. Dans des petits trucs comme ça, fait que j'ai aucune idée de ce que j'ouvre en ce moment. Ça a l'air d'être les highlights. Je crois que oui. Donc, Cruella. Et c'est comme ça, écoutez, là, le packaging, là. C'est fou. J'ai vu beaucoup de vidéos, puis je me disais... À quoi que ça va ressembler le packaging? Oh wow! Regardez ça! Oh! Ok! Je sais pas si on peut voir en personne, mais wow! Ok, ça c'est un des highlights. Il y a vraiment beaucoup de brillants dedans. Donc je vais swiper un peu. Ok, c'est vraiment beaucoup de brillants. Je sais pas si on est capable de... Oh wow! Ok. C'est un highlight. Ma lumière est pas extraordinaire, mais... Oh wow, ok. Et la texture est... Ok, wow. Je suis un peu subjuguée. Donc, le packaging est super. On va essayer de garder les boîtes. D'habitude, je garde pas les boîtes. Je fais comme, wow, ok, tant pis. Mais là, je vais essayer de les garder. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi qui joue en ce moment? C'est la musique... Regardez-moi ça, là, ils sont tous emballés comme ça. Ils étaient dans du bubble wrap, ok? Vraiment super. La musique qui joue, c'est la musique de Descendance. Dans le fond, c'est le film sur les enfants des vilains. Donc, Maleficent, c'est magnifique. Regardez les roses et tout. Wow! Ok. Encore une fois, packaging... J'ai comme rien à dire. Oh wow! Ok, c'est comme une espèce de bronze. Encore une fois, là, les brillants dedans, là, c'est incroyable. J'ai l'impression que quand je vais mettre ça, ça va être complètement fou. Regardez l'intérieur, le miroir, les petites roses pour Maleficent. C'est magnifique. Même l'intérieur, ils se sont forcés là, il y a même de la couleur à l'intérieur de la boîte. Alors, je tiens à dire que pour tous les objets que j'ai, c'est le même prix que Urban Decay, qui a comme moitié moins de choses. Ursula! Oh mon dieu, c'est magnifique! Je tiens à dire que Ursula est ma vilaine préférée de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours été claire sur ses intentions. Elle a toujours dit « J'ai été virée de ton royaume, je suis devenue une méchante sorcière. Voici le contrat, voici les gens à quoi qu'ils ressemblent après m'avoir trahi. » Ah wow, of course, c'est un mauve. Il est magnifique. Et regardez-moi ça, les amis. Je veux dire, wow.
OK, comme vous voyez, la texture est intense, là. Je veux dire, c'est quasiment crémeux. Ah, oh, vraiment, là. Ils sont vraiment très crémeux, très colorés. On le voit pas nécessairement beaucoup à l'écran. Je vais peut-être... Ah! Bon. Peut-être que là... Ah, oh, mais ça a l'air que je fais les glow en premier. Docteur Facilier! Alors, Docteur Facilier, peut-être un peu moins connu que les autres. C'est le méchant de la princesse et la grenouille. Mais regardez le packaging. Écoutez, regardez les détails, les petites têtes de mort, l'intérieur en mauve. Ah, un bronze un peu plus foncé, un peu plus pêche. Là, j'ai les mains pleines de glou. Ah oui. Regardez-moi le bronze. Et j'ai juste effleuré, là. Essaie-tu de voir? Oh non, c'est sûr que... Écoutez, je vais vous faire vraiment amener un maquillage complet avec les différentes couleurs et tout ça. C'est sûr qu'il y a de quoi faire là, ça va être malade. Faites-vous pas, je vais tout ramasser après. Hades, ok. Avant, faut que je parle un peu de Hades et de ce qui a été dit sur Internet à son sujet. J'aime bien les petits détails, les petits dragons et tout ça. La part des gens auraient aimé, je crois, que la collection de Hades soit un gros bleu froid comme ses cheveux. Mais, ils se sont plus concentrés sur le fait que c'était le feu, l'enfer et tout ça. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Comme je disais, même l'intérieur des packaging change. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense que non, parce que... l'été s'en vient, le printemps est là, et on dirait que tout le monde, Urban Decay, Tarte, Pur, je crois même que Too Faced, et en plus, on peut s'en parler, là, de la palette bleue de Jeffree Star, sont magnifiques, mais on dirait que tout le monde a décidé de sortir des couleurs froides, et c'est là que je crois que Colourpop a fait, oh, on sait qu'il y a des couleurs froides qui s'en viennent, nous, c'est pas ça qu'on va sortir. Alors, pour Hades, on a encore une fois un peu doré. Inquiétez-vous pas, ils ont pas de l'air différent à l'écran. Mais je peux vous assurer que lui, il y a comme du rose dedans, là. Comparativement aux autres que j'ai essayé. Ouais, on le voit un peu, là, qu'il y a du rose. Ouais. C'est ça, il y a vraiment comme un dégradé rose dedans, là. C'est... Hein, on est en enfer, ici. Alors, je pense que, personnellement, c'est un choix judicieux que Colourpop ont fait en décidant que les couleurs de la thèse étaient plus chaudes. Ah! La Evil Queen! Regardez ça, il y a des petites pommes magnifiques pis des petits cœurs. C'est magnifique! L'intérieur de cette boîte est rouge. Oh, vraiment, le packaging, je suis... Wow! OK, là, on a complètement un doré jaune. J'ai les mains pleines de... Ouais, donc là, on est vraiment dans le doré jaune.
C'est magnifique. On emballe le tout parce que vraiment... Et tu sais, la collection est pas chère, là. C'est 200$ US. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Les brillants! On va essayer de pas en foutre partout. Ça va être fini. Ouais, OK. Donc là, il y a deux couleurs de brillants, si je comprends bien. Anomalie. Puis, j'ai pas mes lunettes. Do I look like I care? Bon. Bon, personnellement, les petites boîtes comme ça, je m'en fous. Mais regardez ça, comment que c'est magnifique. Regardez le pot de brillant. Je vais l'ouvrir doucement. En fait, je veux juste vous parler peut-être de la texture. Le pot est quand même gros. Pour un pot de brillant, là, je dois avouer que... Bon, c'est clair que... Oh, OK. Alors, ce que j'aime, c'est que c'est du brillant gel. On n'a pas à mettre de... Ah oui. Vraiment, ça donne envie de s'en mettre comme partout. C'est magnifique. Et comme en gel. Donc, je suis quand même contente parce que des brillants pots de libre, ça me fâche tellement. Je suis tellement gaffeuse. J'en fous tout le temps partout. J'ai envie d'en mettre sur le bout de mon nez. Okay. Je pense que c'est vraiment une collection qui est faite pour s'amuser. Donc, j'ai l'autre couleur ici. OK. Donc, elle est un peu plus bleue et elle un peu plus rosée. Donc, si je me trompe pas, je pense qu'il risque d'être dans le la même texture un peu que les... que tout le monde en parle, là. Les ombres à paupières gélifiées. On dirait que je sais plus comment me placer. Donc, c'est vraiment le genre de brillant qu'on met partout. Mais qui tombe pas de façon tannante. Ça, j'aime beaucoup ça. Oh, là, j'ai rien à dire sur cette collection de ouf. Ah oui, les fameux... Écoute, tout le monde sur Internet capote là-dessus. Ce sont les ombres à paupières en gel. Je les ai tous. Ouais. Donc, encore une fois, le packaging magnifique. Ça, c'est des petites boîtes tannantes à ouvrir. Donc, on a celui-ci. Du docteur. Wouh! OK. Wow, OK, c'est très, très crémeux. Ça en prend pas beaucoup. C'est juste complètement magnifique. Maintenant, je comprends le hype de tout le monde. Je pense que ça va valoir la peine. Désolée pour... Sérieux, c'est magnifique. C'est des couleurs, personnellement, que je recherchais. OK, là, j'ai du brillant partout, c'est mains. J'ai oublié de m'amener un démaquillant. Bon.
je vais le retourner dans sa boîte. Parce que le packaging, c'est tout. Donc, ça, c'est celui-là de... Hachou! De Cruella. Donc, Cruella, c'est un beau petit pêche. Que moi, je suis tellement folle que j'utiliserai en highlighter. Ah oui, vraiment en highlight, là. Vraiment, c'est vraiment une collection qui... Oh, on va mettre le petit capuchon. C'est vraiment une collection qui est faite pour s'amuser. Je la trouve amusante. Je trouve les couleurs... c'est pas des couleurs qu'on voit tous les jours. On va se le dire, là. Hadès. Donc non, Hadès, il n'est pas bleu, si je me souviens bien. Change, j'ai enlevé mes faux ongles. Ah, oh, wow, c'est comme une espèce de rose orangé qui fait vraiment esti... qui fait vraiment estival. Regardez le pêche estival. Je pense que vraiment, quand ils ont fait la collection Vilain, ils ont pensé vraiment à l'été qui s'en vient, au printemps. Donc, on est quand même beaucoup dans les couleurs chaudes ou très, très vives. Ok, donc Maleficent avec les petites roses, encore une fois. Oh wow, c'est comme un lilas, c'est... Écoutez... J'ai jamais vu ça. C'est comme un lilas qui fait qu'il y a des dégradés de doré dedans. Wow, ok. J'étais énervée, le gars du PS me dit « T'as donc bien répondu vite. » J'ai vu le camion dans la rue, je me suis garochée à la porte. Et je pensais avoir des frais de douane de 60$ que je n'ai pas eu. Donc c'est magnifique. Donc Ursula, ma préférée. Vous, c'est qui votre vilain préféré? Of course, Ursula. C'est un mauve duochrome avec... C'est un bleu duochrome avec du mauve dedans. Ok. Je suis subjuguée par cette collection. Au secours. J'ai envie d'en mettre sur mes lèvres. Ok, vraiment... Il y a comme plein de choses à explorer avec cette collection-là. Je suis vraiment pas déçue. J'ai l'impression que j'aurais commandé Game of Thrones à la place et que je me serais déçue moi-même. Et on s'est gardé en dernier le Evil Queen avec ses petites pommes. Ah, et c'est un jaune vif! Vraiment un gros doré, là. Donc, on est vraiment là dans les couleurs d'été, flashy, mais en même temps, c'est très... Il y en a qui disaient que ça faisait pas assez vilain.
Moi, je trouve pas. Les vilains ont plus de plaisir. C'est très flash, les vilains et tout et tout. Non? Les rouges à lèvres. Alors, regardez, c'est vraiment bien emballé. On dirait que... On dirait que j'ai pu donner de la tête. C'est une grosse collection. Donc, lipsticks, on va commencer par la Evil Queen. Ah, wow. Tu sais, quand que Jeffree Star parle du packaging, c'est ça. On veut... C'est une collection. Écoutez, c'est du métal solide. C'est pas en plastique. Regardez le rouge! Il est magnifique. Et c'est marqué vilain dessus. Donc, à quoi que ça ressemble, tout ça. C'est crémeux. C'est sûr que moi, depuis que... Donc, il est beau. J'ai rien à dire. Sauf que depuis que je prends les liquides lipsticks de Kat Von D, Too Faced, j'ai eu de la misère un peu à retourner à ce type de rouge à lèvres-là qui tâche. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas confortables, c'est pas parce qu'ils sont pas nécessaires, pas beaux, mais ça tâche. Donc, on va y aller avec Maleficent. C'est le fun payer pour le packaging, mais c'est le fun aussi payer pour des couleurs et puis de la qualité. Ok, vraiment, c'est en métal. Là. C'est fou. Oh, wow, un petit mauve raspberry. Donc, on est un peu plus dans la couleur framboise. Regarde, c'est toutes des couleurs que je porte. Hadès, c'est là que les gens auraient voulu un gros bleu qui fleur, frappe. Et non, on a le droit à un magnifique neutre. Non, mais il est magnifique pour vrai, là. Il suffit du bleu. Le port est vraiment confortable, il est vraiment riche. Et c'est un neutre fantastique. Ursula, c'est ma préférée. Puis je pense que c'est ma couleur préférée aussi au niveau rouge à lèvres. Oh mon dieu, le packaging. Un beau... mauve bardeau. Oh oui, il est magnifique. C'est vraiment dans mes couleurs. Donc, encore une fois, le packaging est juste complètement débile. Ok, alors on a un neutre plus foncé. Ah oui, donc comme plus orangé. Je sens que je vais beaucoup l'aimer celui-là aussi. Et il nous reste Cruella. Donc j'imagine que Cruella va être la couleur du rouge à lèvres que Cruella pas. Je vais faire attention au packaging parce qu'il est magnifique. Je suis comme... Je veux pas le déchirer. Mais on dirait que je m'enligne pour ça pareil. Non. Non, mais pour vrai, écoutez, chaque intérieur est différent. Oui, je l'ai déchiré, je le sais. Ah oui, alors on a un beau rouge orangé.
qui est magnifique. Quelle belle collection! Je pensais que c'était fini, mais non. Chaque personnage a son gloss! Je riais des filles que leur unboxing prenait 30 minutes. Je suis en train de me rendre compte que je suis rendue à 25. Donc, Ursula. Donc, c'est des glosses, hein? C'est pas des lipsticks. C'est magnifique. Packaging, encore une fois, de ouf. J'ai envie de dire « Girl! » Ultra glossy, puis c'est solide, c'est pas cheap. Oh, wow! OK, et en plus, c'est vraiment comme un petit pinceau. Vraiment? Il goûte le sucre. Et il n'est pas collant du tout. C'est la couleur est vraiment belle. Voilà. Ursula, c'est des glosses. Je vais probablement juste pas toutes les tester, mais vous montrer un peu. Evil Queen, encore une fois, packaging on point, couleur différente à l'intérieur. Oh, wow! Alors, on a comme une espèce de rouge qui brille. C'est magnifique. Donc, c'est Evil Queen. Ça va bien faire, je crois, avec l'espèce de rouge framboise. Magnifique. Maleficent! C'est un dragon qui est dessus. Je suis complètement folle en ce moment. Alors, on a un glossy un peu lilas, argenté. Non, mais un packaging on point, girl. Donc, on a une espèce de neutre brillant orangé avec des brillants or dedans. Donc, ça va bien aller avec l'espèce de... Dans le fond, sa couleur, c'était un neutre foncé. Donc, ça va être magnifique. Donc, Hadès. On the wall. Who's the... Alors, Hadès, on est dans les couleurs un peu chaudes, orangées, peachy, il y a un peu de rose dedans. C'est magnifique. Il m'en manquait une. Il me manquait Cruella, le packaging de Cruella est malade. Alors, Cruella, on est dans la luxure, une espèce de couleur champagne. Donc, je pense qu'ils ont bien saisi l'essence des personnages. Oh! 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 Et là, on est rendu aux palettes. J'avais pas aimé ce qu'ils avaient fait avec les princesses Disney. Je trouvais encore là que... Les couleurs étaient fades. Ben, fades. Il y avait rien qui m'impressionnait vraiment là-dedans. Je trouvais qu'il n'y avait rien d'unique comparativement aux autres palettes. Donc, la palette Misunderstood. Encore une fois, packaging on point. Mais regardez ça! C'est magnifique! Et alors, en arrière, on a bien sûr les couleurs. Oh wow! L'intérieur, écoutez, les détails! Oh. Et les couleurs, ce ne sont pas... Écoutez, un blanc comme ça, c'est très rare qu'on en voit, un champagne, et les couleurs sont tellement riches, sont tellement crémeuses! Wow! Ok, moi, là, ce verre-là, il m'appelait. Il est
Elle est magnifique. J'ai la main pleine de couleurs. Ensuite, on a quelques neutres ici. On a ici un magnifique bleu. Et puis un bleu ici qui brille. Je suis comme... Mais qu'est-ce que c'est? Collection de fous! Ici, on a comme une espèce de fer forêt diabolique. Il est magnifique. On a un mauve diabolique. Oh wow! Ah, juste wow! Okay, j'ai même pas besoin de mouiller pour que ça soit comme ça. Ensuite, on a comme une espèce de... Mais vous voir ma main? Noir charcoal. Avec des brillants. Les brillants paraissent pas tant, mais c'est un bon noir quand même. Là, il y a comme un peu des brillants. Puis ici, on a comme un vrai noir très smooth. Les couleurs sont... Écoutez. Je suis... Moi, regardez le mauve, là, c'est... C'est magnifique. Ça brille de partout. Donc, tu sais, ce qui est paillettes, là, vous avez pas besoin d'émouiller. C'est sûr que ça l'aide, là. Mais, oh, wow, regardez-moi ce bronze. OK, pour vrai, c'est des couleurs que j'ai rarement vues. C'est pas des couleurs que l'on voit souvent. Et c'est ce qui m'avait attiré, entre autres, dans la collection. Donc, c'est la collection Misunderstood. Ben, pas la collection Misunderstood, la collection Vilain de Colourpop. Écoutez, quand on parle de packaging on point, c'est l'intérieur de la boîte. OK? Vraiment, Colourpop, je suis... C'est époustouflé. Je vous le dis, je pense que je regrette pas mon choix. Donc, pour 200$ américains, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'ai 26 produits. Je pense que j'ai pas eu 27. Je pense que j'ai pas calculé ma boîte. J'ai 27 produits pour 200$ américains. Je pense que Game of Thrones, t'as une palette, un rouge à lèvres liquide, un espèce de truc rouge déjà vu, qu'on avait vu avec comme les petites têtes de mort, pour le même prix. Cette collection-là, elle est originale. Tout est beau, là. Je veux dire, tout le monde peut trouver son compte. Je veux dire, regardez ma main, comment qu'elle est colorée. Je me sens prête pour l'été. Bon. La surprise, c'est qu'en commandant ça, je me suis dit... Faudrait bien que je fasse la fan de Disney que je suis. Comme on voit, je suis laid de tatouer sur le corps. Et que je me commande au moins la palette designer des princesses Disney. Bon, packaging... Packaging on point, doré avec les signatures des princesses. Bon, designer, donc les princesses sont désignées en designer. Packaging on point, j'ai rien à dire avec les petites étoiles et tout. Les couleurs, bon, c'est des couleurs de princesse. J'avais pas vraiment de palette nude. Puis je trouve qu'elle fait un peu la job au niveau palette nude. C'est juste que moi, quand j'entends une palette de princesse, je m'attends des fois à avoir des verts et tout ça. Là, on est vraiment dans les couleurs sobres, là, des petites pêches, des petits rosés. Mais c'est du color pop, donc les couleurs sont magnifiques. Tu sais, je vais en mettre, là, j'ai mis du mauve au travers. Je suis en train de me transformer en rainbow. Bon, il y a un mauve plus foncé. Bon, parce que des fois, les princesses ont un dark side. Le Midnight Curfew, aha! Lui, le Midnight Curfew, comparativement au noir avec des brillants de l'autre, est magnifique. Bon. Je suis abasourdi. Colourpop.
première, mais non dernière fois que je commande. Les prix ont vraiment beaucoup de bon sens. Le shipping peut être un peu long, par contre, je suis au Canada, et ça a quand même pris 10 jours, là. J'ai trouvé ça long. J'ai hâte de le recevoir. Tout est enroulé dans du bubble wrap, il y a du papier. Vraiment, wow! Je vous le conseille. J'ai juste ça à dire. Je vous conseille. Je vous montre mes mains en ce moment. Donc, ça brille, c'est beau, c'est l'été. Je pense que les fans aussi de festivals vont vraiment trouver de quoi à faire des beaux maquillages, à s'amuser avec celle-là. Parfois, on met là, beaucoup d'argent. J'avais pas nécessairement beaucoup d'argent. Fallait que je me renouvelle au niveau de mes highlights. Fallait que je me renouvelle un peu au niveau de mes rouges à lèvres. J'avais envie d'une nouvelle palette aussi, mais avec des couleurs que j'avais pas vraiment. Et que dire des jelly? Je suis abasourdi. Écoutez, bravo. Colourpop. Donc, j'espère vous montrer dans les prochaines semaines des petits maquillages réalisés grâce avec Colourpop. Une fois que je vais avoir vraiment réussi à maîtriser le jelly. Parce que c'est super dur à travailler. C'est magnifique, mais ça a l'air dur à travailler un peu. Donc, voilà. Je vais vous montrer ça comme ça ici. Voulez-vous voir mes chats? Les chats sont contents, ils ont une nouvelle boîte. Puis moi, je suis contente. Ah oui, j'ai mis le neutre. Il est fantastique avec comme l'espèce de gloss. Ouais. Donc, merci. Si vous avez regardé la vidéo complète, je comprends qu'il y en a qui aient skippé vite. 37 minutes, c'est parfait. Mais c'est vraiment une collection qui vaut la peine. Vraiment, essayez-la. Je suis quasiment déçue de ne pas avoir payé 40$ de plus pour avoir la super boîte pour les séries. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Et n'oubliez pas, le maquillage, c'est fait pour s'amuser. Donc, amusez-vous.